Maman t'achètera un cheval de bois. Si ce cheval de bois ne t'enchante pas, maman t'achètera un beau pyjama. Si ce beau pyjama ne te va pas, maman t'achètera un harmonica. Si cet harmonica ne t'amuse pas, maman t'achètera un bel agenda. Si cet agenda ne t'emballe pas, maman t'achètera du chocolat. Si ce chocolat ne te plaît pas, maman t'achètera un chihuahua. Si ce chihuahua ne te séduit pas, maman t'achètera un très joli chat. Si ce joli chat ne te convient pas, tu seras pour toujours mon petit roi. Oh, Krusta, mais ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, ma chérie. Viens. Oh, oh, mon bébé, mais oui, ça va pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce qu'il te faut, c'est un coin très gros. Là, tu vois, sa mère lui manque. Comment une mère peut-elle abandonner son bébé? Elle s'est retrouvée enceinte, c'est un accident. Si ce cheval de bois ne t'enchante pas... Oh, quelle heure est-il? 6 heures. Oh, je suis désolée. L'avantage, il va falloir que je ne vois pas le temps passer. Tiens, prends-la, toi. Elle a besoin d'affection. On te voit mardi? Oui, peut-être avant. Génial. C'est ça. 53 unités. Dites-leur simplement que s'ils refusent de payer ce prix-là, quelqu'un d'autre le fera. Oui, c'est une solution, mais après qu'ils ne viennent pas se plaindre. Oui. C'est une bonne surprise. Tu sais, j'aimerais que tu fasses vraiment sensation lors de ce banquet samedi soir. Aussi, j'ai téléphoné chez Michel pour savoir s'il n'avait pas 2-3 petites choses en rayon. Mais je pensais mettre ma robe en dentelle. Oh non, 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 j'en ai plus qu'assez de la voir. Ils sont ouverts jusqu'à 7 heures, alors on y va. Pourquoi stresser? Je pourrais y aller demain. Mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as de m'avoir. La plupart des hommes se fichent que leur femme soit élégante. Tu m'aimeras autant quand je serai enceinte. Non, non, c'est pas le cas. Seulement, j'ai parlé avec Julie aujourd'hui. On lui a recommandé quelqu'un. C'est un excellent spécialiste. Écoute, si tu crois que c'est la seule solution, je m'occuperai de nous trouver un médecin et ce sera le meilleur. Julie dit qu'il est excellent. Très si, je m'en occuperai. D'accord. La prochaine étape serait une célioscopie. C'est une chirurgie d'exploration. Pourquoi faire appel à la chirurgie? Mais parce que, chérie, si tout lui paraît normal, une fois qu'on m'aura déjà endormi sur la table, il ne lui restera plus qu'à opérer. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Si je vois que vous ne souffrez d'aucune insuffisance, je placerai vos ovules et le sperme de votre mari dans vos trompes, ce qui devrait nous donner une grossesse menée à terme. Mais j'aimerais que vous ne perdiez pas de vue une chose. Même dans le meilleur des cas, il n'y a qu'un tout petit pourcentage de réussite. Oh, je suis persuadée que je ferai partie de ce pourcentage. Oh, oh, regarde. Oh, il est ancien. Il est magnifique. Il n'a pas l'air très pratique. C'est ce qui va m'arriver de mieux dans la vie. Qu'est-ce que la pratique a à voir là-dedans? Tu verras, toi, quand ton heure sera venue. Peut-être. Alors, il te plaît vraiment? Eh bien, allons-y, on déjeunera une autre fois. Plus tard. Ne me dis pas que tu dois demander de l'argent à ton mari. Stan ne refusera pas, il est très généreux. Tracy, tu devrais continuer à travailler. Quand ta licence de courtier doit-elle expirer? Dans 3 mois. Écoute, j'ai un bon marché en vue pour Symington. Pourquoi est-ce que tu ne reviendrais pas travailler avec moi, comme avant? Je veux être là pour mon bébé. Je suis contre les mères qui travaillent. Les femmes négligent leur bébé et elles n'ont plus rien d'une mère. Je vois ça tous les jours à l'hôpital. Oh, désolée, je ne sais pas ce qui me prend, je parle comme dans un de ces talk-shows débiles. C'est tout droit. Non, 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 on ne tourne pas, c'est par là. On y est. Regarde, c'est le genre de berceau que l'on pourrait avoir dans la famille depuis la nuit des temps. Mais Tracy, c'est trop tôt.
On va en avoir besoin pour notre petite Lily. Lily? Oui. Ma chérie, écoute, on va en rester là pour l'instant. Faut pas que tout ça nous empêche de vivre. D'accord. Parfait. Pression sanguine normale. L'utérus. Les ovaires. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez le moniteur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai décelé une tumeur sur son ovaire gauche. Oh. Le pathologiste confirme le diagnostic. Oh. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous nous proposez? Eh bien, nous avons deux options. On peut pratiquer tout de suite l'hystérectomie, ce qui nous permettrait d'envisager une guérison totale. Si toutefois le cancer ne s'est pas déjà propagé, où on peut procéder à l'ablation de l'ovaire et alors advienne que pourra. Comment ça advienne que pourra? Le cancer des ovaires est le plus souvent mortel. Ce n'est pas une décision que l'on doit prendre à la légère. Vous discuterez de ces options avec votre femme. Non, non. Jamais je ne pourrais lui faire endurer ça. Vous avez dit vous-même qu'elle avait des chances de s'en tirer avec une hystérectomie. Bien sûr, d'un point de vue médical. Seulement votre femme, elle, qu'aimerait-elle faire? Stan, tu sais à quel point Tracy a envie d'avoir un bébé. Elle mourrait plutôt que de renoncer. Non, tu te rends pas compte. Si je laisse Tracy prendre cette décision, ce sera pire que de ne pas avoir d'enfant. Je la perdrais. Rien n'est encore joué. Il y a une chance qu'elle s'en sorte si... Non, je... non. Il s'agit de ma femme. J'aime mieux ne courir aucun risque. Mais Monsieur Patterson... Elle m'a signé une décharge. C'est à moi qu'incombe cette décision. Il a raison. Cela risque d'être monstrueux pour elle si vous la laissez décider seule. Bien. Bien passé, chérie. Rassure-toi. Tu veux dire que je suis peut-être enceinte? Je veux dire que je t'aime. Tracy? Beaucoup plus encore que ce que vous m'aviez dit. Je n'en doute pas. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Non. Rassurez-vous, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Vous allez vous arranger pour que je me réveille enceinte la prochaine fois. Promettez-le-moi. Je ne peux pas. Tracy, je croyais que votre mari vous l'avait dit. Il n'y aura pas de prochaine fois. Vous avez un cancer. Non. Je suis désolée. Alors vous auriez dû me tuer. Alors? Comment ça s'est passé? Ils ont vraiment adoré mes esquisses. Ah. Ils ne peuvent entamer la construction tant qu'ils n'ont pas l'aval de la banque, mais ils ont retenu ma candidature. Je suis contente, chérie, c'est merveilleux. C'est quoi? Tu crois que le bébé aimera? Elle va adorer.
Cette fois, tout se passera le mieux du monde. Jure-le. Arrête de torturer comme ça. Celui-là, ce sera différent des autres. Une patiente aujourd'hui, je lui ai découvert un cancer. Tout à fait imprévu. Je lui ai fait une hystérectomie. Elle s'attendait à ce que je lui donne un enfant. Eva, tu es médecin et non faiseuse de miracles. Tu aurais préféré ne pas avoir décelé son cancer? J'aurais préféré en avoir discuté avec elle. Son mari avait une décharge. Médicalement, c'était la meilleure solution. Ce qu'il y a, c'est que... j'aurais mieux aimé attendre. Ton rôle se borne à exposer les faits. Tu n'as pas à prendre les décisions pour tes patients. Tu aurais dû la voir quand elle l'a su. Chérie, tu comptes toujours aller déjeuner avec Julie et Sabrina? J'ai annulé. Je ne suis pas prête à voir qui que ce soit. Vas-y, chérie. Ce sont tes amis. Ça te fera du bien de les voir. Non, je n'en ai pas envie. Tu n'as pas quitté la chambre depuis 3 semaines. Tu dois te rendre compte que je ne pourrais pas toujours être là, veiller sur toi. Alors, arrête! Tu n'as pas idée de ce que c'est que de se voir attribuer une mère différente chaque fois que le juge voulait me changer de ville. Je n'ai jamais eu de vraie famille. Mais tu peux en avoir une. Il y a l'adoption. Personne à qui je ressemblais ou qui me donnait l'exemple. Avec qui j'aurais partagé une partie de moi-même. Il n'y a pas que les liens du sang. À bientôt, j'espère. Vous êtes invité à l'émission Entre femmes. Hein? Vous irez? Sur cette lettre, ils ne disent pas ce qu'ils attendent de moi. Voyez ça, s'il vous plaît. Les Green sont là. Je vais les recevoir. Elle a donc décidé de pratiquer l'ablation de l'utérus sans plus tarder. Et elle n'aurait pas dû? C'est ce qu'on fait généralement pour résoudre ce genre de problème. Ce n'est pas toujours le cas? Je suis persuadé que le docteur Warden a bien agi. Elle aurait sûrement dû procéder à l'hystérectomie à un moment ou à un autre. Ce qui est certain, c'est qu'elle vous a probablement épargné nombre d'angoisses et de souffrances. Mais vous, vous dites qu'il y avait le choix. Quoi qu'il arrive, on a toujours le choix. Mais si elle a choisi de vous opérer, c'est que ça s'imposait. Pour votre santé future. Madame Patterson? Comment a-t-elle pu faire ça sans même me l'avoir demandé? Votre mari lui en avait donné l'autorisation, c'est là, dans le dossier?
T'es bien amusé? Salaud, ne me touche mais pas! Mais qu'est-ce qu'il prend? Comment est-ce que tu as pu me faire non, ça? Non, enfin, tu es folle ou quoi? Tu lui as dit de m'opérer, tu lui as dit de me faire la totale! Enfin, il le fallait! Cette opération t'a sauvé la vie! Et peut-être qu'en enlevant la tumeur, je n'aurais pas eu besoin d'hystérectomie. Et peut-être que si tu avais pris un billet de loterie hier, tu serais millionnaire ce soir. Chérie, chérie, je t'en prie, calme-toi. On ne joue pas avec ces choses-là. Je n'ai pas envie d'engager de paris lorsqu'il s'agit de ta santé. Je t'aime beaucoup trop pour ça. J'aurais pu guérir. Ce n'est pas ce qu'a dit le docteur Warden. Oh, demande à Sabrina. Elle l'a entendu. Et qu'a-t-elle dit? La même chose que ce que j'ai pu te dire. Allez, viens. Enfin quoi? Regarde, ça fait plus d'un mois que c'est fait. Il n'y a aucune trace de cancer ou d'autre chose. Si je n'avais pas dit au docteur Warden de t'opérer, en ce moment même, on se trouverait à l'hôpital en train de prendre la même décision et tu serais en train de vivre un enfer. Parce que tu crois que je vais bien, Stan? Tout ça parce que les tissus ont cicatrisé? Ou parce que sur mon visage, tout ça n'a laissé aucune trace? Où sont les médicaments qu'elle t'a ordonnés? Fais voir. Je vais très bien comme ça. Tiens, prends-les. Je n'en ai pas envie. Allons, c'est pour ton bien. Tu n'arriveras pas à tenir le choc si tu refuses de prendre ces cachets. Tiens, vas-y, prends-les. Tracy, fais ce que je te dis. Oh, je te déteste. Je te déteste pour ce que tu m'as fait. Moi, je t'aime et j'ai fait ce qui était le mieux pour toi. Je t'en prie, chérie, embrasse-moi. Oui, oui, je te retrouve. Ne me touche pas! C'est une belle cérémonie. Tu veux que je te ramène? Non, tu sais, je n'y tiens pas. C'est vraiment trop de souvenirs. Reprends-toi, voyons. Tout ce que je voulais, c'était un bébé. Je n'ai plus rien dans la vie maintenant. Tracy, je sais que ça ne va pas être facile, mais tu es une battante. Et nous serons là en cas de besoin. Chérie, tu es jeune, tu es belle comme tout. Une vie nouvelle va s'ouvrir devant toi. Je te le promets. Tout a été investi. Tous les mois, vous en toucherez les dividendes, une somme que je taxerai de substantielle. Stan vous a assuré un bel avenir. Je veux poursuivre Eva Warden. Tracy, le docteur Warden n'a absolument rien à se reprocher. Elle a détaillé tout le factuel et les options à Stan. Et vous aviez signé une décharge à votre mari. Afin qu'il puisse décider à ma place en cas de force majeure. Pour eux, il s'agit bien d'un cas de force majeure. On ne doit pas la laisser faire ça à quelqu'un d'autre. Si d'autres patients portaient plainte auprès du Conseil de l'Ordre, aurait-elle le droit d'exercer? Et je suppose que tout est possible s'il y avait quantité de plaintes, mais je ne crois pas que ce soit envisagé. Elle a une excellente réputation. À votre place, je concentrerai mon énergie de façon plus positive. Votre premier chèque. Alors, l'hôpital n'a jamais reçu de plainte contre Eva Warden? Je sais que c'est difficile pour toi de l'admettre, mais c'est l'une des meilleures dans sa spécialité. Oublie un peu tout ça. Et va de l'avant. Tu veux qu'on change de table? Non, non, ça va. Allez, viens là, mon cher. Oui, je sais ce qui ne va pas.
Avez-vous de l'or à déclarer? J'en ai quelques grammes, là. Il me semble que tout est en règle. Nous emmenons ce petit garçon. C'est un orphelin. Ça n'a rien d'étonnant. Hong Kong en est rempli. Merci. Vous pouvez y aller. Et si j'avais eu un accident? Non. Vous voulez bien m'aider à m'asseoir? Parfaitement. À notre époque, vous savez, c'est un phénomène des plus courants. Pour éviter les fausses couches, on prescrit de la progestérone afin de pouvoir nourrir le placenta. Parlez-nous des effets secondaires. Y a-t-il un inconvénient majeur pour l'utilisatrice? En dehors du prix, non. Je le prescris en toute sécurité. Et comment cela se présente-t-il? En cachet, en gélule? Non, ce médicament se présente dans des fioles et chacune de ces fioles contient environ 10 doses. On l'administre par injection. Ah, les femmes doivent se faire elles-mêmes les piqûres. C'est pas aussi terrible que ça en allerge. Oh, pourquoi vous le cacherais-je? Je suis moi-même enceinte. Et comme j'ai déjà subi plusieurs fausses couches, je suis sous progestérone. Oh, alors dans ce cas, nous ne pouvons que vous croire. Non! Entendu, je vais aller vous lever. Une admission. Une seconde. Et je reviens tout de suite. Vous voyez, je ne vous avais pas menti. Le coin est fantastique. Vous avez de la chance. Il y a très peu de maisons disponibles dans ce quartier. Oui, c'est très joli. Et pourquoi vendent-ils? Ils vont avoir leur premier enfant et ils veulent une maison plus conforme à une famille. Regardez-moi cette vue. N'est-elle pas extraordinaire? Et cette architecture? C'est une originalité extrême, tout en étant fonctionnel. Non, franchement, vous aurez du mal à trouver une maison. Moi aussi, j'attends un enfant. Et je ne sais si c'est vraiment raisonnable ou prudent avec le lac, la piscine et le reste, mais je vais réfléchir. Tenez-moi au courant. Au revoir. Merci.
Docteur Warden, c'est Anita. On a des soucis avec une des analyses de chez Biomédic. Est-ce qu'on doit l'annoncer au patient ou attendre que vous ayez parlé au labo? Appelez-moi. Au revoir. Qualité, Marie. Et ton prix est excellent aussi. Ah, voilà notre petit fermier qui arrive. Oh, ça c'est quelque chose pour Bonux. Juste. Regarde comme c'est propre. C'est aussi un super résultat et un super prix. Et puis, il n'est pas marqué Bécasse ici. Mais je le sais, ma cocotte. Bonux, une question de bon sens. Découvrez Feuilletina Ost, car moins le salami est plat, plus c'est fin. Feuilletina Ost, le fin du fin au quotidien. Voilà, quand j'ai réalisé qu'il n'y avait plus aucun désir, ça part. Je ne me voyais même plus. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut un grand changement parce que ça fait pas mal de moi. Je dois réveiller le désir en lui et ce changement, Nazarine Atiol dégage le nez bouché rapidement et offre un confort exceptionnel grâce à sa composition unique. NASA vous présente votre allié efficace contre le nez bouché, Nazarine Atiol, pour une vie qui ait du souffle. Activia Coco de Danone. Oui, je suis d'humeur tropicale ce soir. Et c'est super bon pour le transit. Ouais, et surtout c'est délicieux. Activia Coco de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Trouver un emploi, moi je veux bien. Mais je commence par où? J'aurais besoin d'une formation, mais ça prend combien de temps? Est-ce que j'ai réellement les mêmes chances qu'un autre? Il faut que j'engage du personnel, mais comment m'y prendre? Je devrais peut-être me reconvertir. Mais dans quoi? Aujourd'hui, avec les services du Forum, vous n'êtes plus seul face à l'emploi. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, d'une formation, les conseillers du Forum vous apportent les réponses aux questions que vous vous posez. Alors, passez à l'action, passez au Forum. Envolez-vous avec Peter Pan dans un nouveau voyage vertigineux de Disney, le retour au pays imaginaire. Peter Pan vit une toute nouvelle aventure avec ses anciens et ses nouveaux amis. Si tu n'es pas Wendy, qui es-tu? Je suis Sophie. Le héros de Disney est de retour. La confiance, la foi, la poussière de fée. Plus magique que jamais. Tout ce que tu pourras clocher. Vivez avec Peter Pan chez vous, le retour au pays imaginaire de Disney. À partir de mercredi en vidéo ou DVD. Certaines réactions de votre corps sont incontrôlables. Ce n'est plus le cas de la transpiration. Exercez une pression et dosez à souhait. Sanex invente le presse-contrôle. Le dosage et la transpiration sont sous votre contrôle. Sanex garde la peau saine.
Excusez-moi. Je suis sans emploi et je me suis demandé si par hasard vous ne chercheriez pas quelqu'un. Je regrette. Mais laissez-moi quand même vos coordonnées. Oh, ça, c'est vraiment gentil. Vous savez, j'aimerais bien travailler dans le domaine médical, mais je n'ai aucune expérience. Oh, moi non plus. On ne demande des références que pour travailler au labo. Chouette. Cathy, les analyses de ce matin. Ma chère, vous êtes irrésistible aujourd'hui. Merci, docteur Shaw. Vous pouvez me présenter? Mademoiselle Patterson. Elle aimerait travailler chez nous. Ah oui? Eh bien, mettez donc sa demande d'emploi au-dessus de la pile. Merci. À plus tard. Ça a l'air d'être quelqu'un de charmant. Bien sûr, il ne faut pas être marié si on veut éviter les ennuis. Oh, je sais. Chaque fois que je lui parle du docteur Shaw, mon mari grimpe au plafond. Voilà, en espérant que ça va aller. Tenez. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre aide. Elle m'a été précieuse. De rien. Au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Merci. Sans alcool, mon amour. Merci. John, Larry, félicitations, c'est grandiose. Oui, on a pris notre pied. Super budget, super écho. Super médiatisé. Ce n'était peut-être pas le moment de nous quitter. Oh, il n'y a pas de raison, ça marche pour lui. Qu'est-ce que tu as en vue? Eh ben, j'ai pas mal de projets qui sont encore à l'état de projet. Ah. On connaît quelques promoteurs qui ne verraient pas d'inconvénient à t'embaucher, Gary, maintenant que nous sommes trop chers pour eux. Je leur téléphonerai. Merci. Oui. C'est trop. C'est vraiment très gentil. Allô? Vous êtes Monsieur Doyle? L'homme qui se dit le mari de Cathy Doyle? Qui êtes-vous? La femme du docteur Shaw. Dites à la traînée qui vous sert de femme de laisser mon cher époux tranquille. Qui c'était? La femme de ton salaud de patron. Elle a dit que tu me faisais cocu. Quoi? Demain matin, je veux que tu démissionnes. Pourquoi? Je n'ai rien fait, je te jure. Tu m'obéis, c'est tout. Demain, tu démissionnes et tu te trouves un autre boulot. Oh. Fait par terre. Martha a dû le faire tomber sans faire attention. Oui, sans doute. Hé, hey, c'est pas toi qui me dis toujours de pas me laisser abattre? Oui. Alors souris. Gary Warden. Un jeune architecte plein de grands projets. Eva Warden, lauréate du prix Lalande. Allô?
C'est elle-même. C'est vrai? Oh non, non, aucun problème. Je peux commencer ce matin. Merci, au revoir. Sheila, je vous présente Tracy. Bonjour Sheila, c'est un plaisir. Votre siège. Merci. Et votre téléphone. Tous les matins, Sheila vous donnera les résultats des analyses que nous aurons rentrées la nuit dans l'ordinateur. Vous ferez part de toutes les données aux médecins concernés. Là, vous avez leur numéro. Il ne faut pas vous tromper. Parce que de ces résultats dépendent de nombreuses vies. Compris? Compris. Je ferai très attention. Bien. Je vous téléphonerai les résultats. Merci, docteur. Au revoir. Docteur Wardham, j'ai deux lignes en attente et le docteur Cohen. Docteur Wardham? Docteur Wardham? Est-ce que ça va? Prévenez Gary, je suis en train de faire une hémorragie. Ah, merci. Merci. Pour vous. Biomédic, que puis-je pour vous? De la part? Oh, je suis vraiment désolée, mais je ne peux le déranger. Y a-t-il un message? Je vais essayer. Docteur Shaw, désolée de vous déranger, mais j'ai le docteur Eva Warden, ligne 4. Elle dit que c'est très important. D'accord. Eva? Oui, ça va de soi. C'est pour vous. Bon, on s'y met dès qu'il sera au labo. Non, je n'ai pas reçu l'échantillon. Attendez. Tracy, vous n'avez pas reçu d'échantillon pour le docteur Warden? Non, je n'ai pas vu leur coursier. Merci. Eva? D'accord. Merci. Il n'a encore rien reçu. Il veut que j'aille sur place. Il va me faire une prise de sang. Smith, résultat positif. Hackfield, résultat négatif. Et... c'est tout. Au revoir. Vous voulez bien me remplacer? Je vais aux toilettes. S'il vous plaît, je suis le docteur Warden. Le docteur Shaw m'a demandé de passer. Oui, docteur Warden, il vous attend. Merci. C'est tout de même la deuxième fois que ça arrive. Chérie, je sais que tu es inquiète. Et je te promets que tu l'auras, ce bébé. Ce soir, je téléphone à Larry et à John. Je leur dirai que je reviens travailler chez eux. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Je ne veux pas que tu te tues à la tâche. C'est pour ça que tu en es là. Non, ça n'a aucun rapport. Reste auprès de moi. C'est tout ce dont j'ai envie. Bonne nouvelle, le taux est à 18. Votre grossesse est toujours viable. Vous nous ferez un magnifique enfant. Mais le taux de progestérone est bas. Vous n'oubliez pas de faire vos piqûres, au moins. Non. Faudrait peut-être doubler les doses, alors. Je les triple s'il n'y a vraiment que ça. Oh. Tu peux laisser tomber Larry et John. Je suis certaine que tu auras bientôt des clients. Ça m'ennuierait beaucoup que tu renonces à tes rêves. «
Sabrina, bonjour, c'est Tracy. Réflexion faite, j'ai envie de travailler de nouveau avec toi. Si tu es disponible, j'aimerais bien te voir pour parler de ton nouveau projet. On pourrait peut-être déjeuner. Alors, appelle-moi dès que tu seras rentrée. Bye. Tu devrais envoyer le produit que tu as chez toi au laboratoire. Il est peut-être périmé. Tu n'as qu'à prendre un flacon tout neuf. Oui, d'accord. Écoute, tu n'as pas fait de fausse couche et tu n'en feras sûrement pas si tu restes en bonne santé. Ce qui veut dire qu'il faut arrêter de travailler et relâcher la pression. Je m'occuperai de tes clientes. Merci. Bon, je vais me faire une petite pause. À tout de suite. Anita, la secrétaire du docteur Warden. Félicitations. Oui, une merveilleuse nouvelle. Je suis désolée. Oui, c'est très surprenant. Vos règles réapparaîtront sûrement d'ici quelques jours. Sabrina! Oh, Tracy! Entre! Comment tu vas? Ça va? Et toi, tu es en pleine forme? Ça va, merci. Je savais bien que tu finirais par avoir envie de bosser. Seulement, je ne m'y attendais pas si tôt. Alors, ton offre tient toujours? Pas tout à fait. Attends, je vais te servir un café. Ça tient toujours, seulement je t'avoue que j'aurais aimé attendre encore un petit peu. J'essaie de persuader Symington d'investir sur la côte ouest et je me vois mal lui demander de payer deux personnes à ce stade. Oh, l'argent, c'est pas le plus important. Voyons, c'est le principal. Et sur quoi es-tu? Eh bien, j'ai pu trouver un terrain assez bien situé. Je cherche un architecte pour définir le projet. Et dis-moi, accepterais-tu que je travaille pour toi seulement quelques heures par jour? Ça me ferait un bien fou de reprendre le collier. Ton nom n'apparaîtra pas sur des contrats. Symington ne devra pas savoir que tu bosses pour lui. Oh, non, 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 j'aurais l'impression de vouloir t'exploiter. Oh, mais non, tu me rendras service. D'accord. Dans ce cas, pourrais-tu essayer de commencer par ces dossiers? Je pars 15 jours pour Chicago faire une démonstration. Et si tu as des questions, j'aimerais que tu me les poses avant mon départ. D'accord? Je t'ai déjà dit que tu étais la meilleure. Merci mille fois. Mais de rien. Gary Warden, je vous prie. C'est vous? Oh, monsieur Warden, je suis Tracy Horton de chez Symington. Oui, je crois que c'est Larry qui m'a donné votre nom. Je vous appelle au sujet d'une parcelle de terrain que nous pensons acheter. Elle est déjà en partie construite, mais pour être en accord avec la nouvelle loi, il va falloir en revoir le concept une fois que le terrain nous appartiendra. Oh, le genre pied dans l'eau, c'est ça. Eh bien, cela me paraît difficile tant que nous n'aurons pas concrétisé l'achat, enfin disons pas avant une semaine ou deux, mais je vous rappellerai dès que nous aurons une date. Ouais. Moi aussi j'ai hâte de vous rencontrer. Oui, je vous rappelle dès que possible. Au revoir. Oh, mais entrez, Linda. Je me lèverai bien pour vous féliciter, mais je... Restez assise. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez fait pour nous. Jim et moi, on est vraiment aux anges. Je comprends. C'est merveilleux. Je n'aurais jamais pensé pouvoir connaître ça. C'est un miracle. Oui, j'avoue que j'en suis moi-même la première étonnée. Anita? Oui, docteur, j'arrive. Quand avez-vous passé votre test de contrôle? Hier matin, pourquoi? Ceux-là sont négatifs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est sûrement une erreur. Anita, vous allez lui faire une prise de sang. Et dites à Biomédic de se dépêcher. Allez, ma grande, venez montrer votre bras, Dracula. D'accord.
Excusez-moi, docteur Warden. Les tests de Nancy Sims étaient négatifs, seulement elle n'a pas eu ses règles et le test qu'elle a fait elle-même indique qu'elle est enceinte. Les tests sont très souvent inexacts. Dites-moi, de quand date sa dernière prise de sang? 2 jours, mais hier on lui en a fait une autre et regardez. Elle est bien enceinte. Cabinet du docteur. S'il vous plaît, donnez-moi les relevés de chez Biomédic. Ils correspondent à ce qu'on nous a dit au téléphone. Les patients n'arrêtent pas d'appeler. Qu'est-ce qui se passe? C'est du délire. Appelez-moi Biomédic. J'aurais dû le voir tout de suite, dès que j'ai reçu les analyses de Linda Collins. Les chances qu'elle a sans fécondation in vitro sont... Docteur Warden, il y en a une autre. On lui a dit qu'elle était enceinte. Je sais. J'aurais dû lever le cul de ma chaise 5 minutes. Dès que je l'ai su, j'aurais dû aller vérifier moi-même tous les résultats au lieu de rester assise là comme une courte. J'ai agi exactement de la même façon. Je n'ai rien vu venir. Un spécialiste du traitement contre la stérilité reçoit un prix. S'il vous plaît, me passer Frank Nolan. Monsieur Nolan? Oui, bonsoir, Tracy Patterson. C'est vous qui avez fait cet article sur le docteur Eva Warden? Oui, je crois pouvoir vous apprendre 2 ou 3 choses. Bonsoir, chérie. Ça sent bon. Tu rentres tôt? Ah, j'y suis. Tu as du mal à rester trop longtemps loin de moi. Tu veux qu'on en parle? Tout à l'heure. Là, j'ai envie de débrayer. Hey. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D'accord? D'accord. J'ai une très bonne nouvelle. Stimmington, tu te rappelles ces promoteurs sous-développés dont Larry nous a parlé? Ils seraient prêts à me faire travailler. Oh, je suis tellement heureuse pour toi. Je ne vois pas pourquoi vous nous infligez ça. Enfin, nous n'avons rien fait de mal. Allons, inutile de dramatiser. Je ne vous radis pas. Pour le moment, je procède seulement... à une enquête sur les plaintes de nos patientes pour savoir si oui ou non il y aura audience. Alors que vous savez pertinemment que l'erreur vient en fait du labo. Au vu du nombre de plaintes déposées, nous devons envisager la possibilité qu'il y ait une négligence de votre part. Mais ce n'est pas notre... Vous devez obligatoirement comprendre que je ne peux pas vous laisser continuer à travailler sans savoir si ces accusations sont fondées. L'assurance de l'hôpital ne laissera jamais passer ça. Il faut tout de même être logique. Ces appels ont été donnés sans que l'un de vous ne vérifie les résultats. Qu'avez-vous à répondre à cela? Martha, c'est vous qui avez dérangé mes affaires? Non, docteur, je n'ai touché à rien. Alors qui a mis tout son dessus-dessous? J'ai rangé vos vêtements là-dedans, mais je ne touche jamais à ce que je ne dois pas toucher. Peut-être, mais aujourd'hui, mes tiroirs, mon armoire, tout est travers. Vous savez très bien que je déteste ça. Ce n'est pas moi, docteur Warden. Mais qu'est-ce qui se passe? Si seulement je le savais, les choses ne sont plus où je les ai mises. Je ne retrouve absolument plus rien. Eva. Chérie, c'est peut-être l'agent immobilier qui les a déplacées. Tu as raison. Seulement, j'ai l'impression bizarre que quelqu'un me surveille constamment. Ici, à mon cabinet, partout. Chérie. Je vois ce que c'est. Mes hormones auraient sûrement tendance à s'emballer. Allons, reprends-toi. D'accord. Oh, Martha, je suis navrée. Je sais bien que vous n'avez rien fait de mal. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses. C'est pas grave, docteur Warden. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te préparer un bon dîner. Oh! Le plus romantique que tu aies fait depuis longtemps. Mmh.
Je suis son médecin. Qu'est-ce qu'elle a? Deux, peut-être trois côtes fracturées et elle est enceinte. Joe, sauve-la, je t'en prie. Rassure-toi, je m'occupe de toi personnellement. Tu l'auras, ta fille. J'aimerais savoir si elle a fait une fausse couche. Cet enfant est tellement important pour elle. Je ne peux pas écrire la carte sans savoir. Je regrette, madame. Je ne peux pas vous donner ce genre d'informations. Puis-je lui dire de qui viennent ces fleurs? De la part d'une vieille amie. Mais comment est-ce que vous vous appelez? Oh, partout. Bonjour. Ça, c'est de ma part. Et celui-là, je l'ai trouvé à la réception. Je l'ai pris parce que j'ai vu le numéro de ta chambre. Qui les a envoyés? Il n'y a rien de marqué, bizarre. L'expéditeur va sûrement t'appeler. Gary, enlève-moi ça de là, je t'en prie. Elle me donne la chair de poule. Ce n'était pas un accident. Ces caddies ont foncé sur moi. Gary, je suis sûre que ce n'était pas un accident. Mais enfin quoi? Vous n'avez pas de femme, ni d'enfant? Quatre. À sa dernière grossesse, elle a décrété que j'avais une liaison avec une inspectrice. Alors elle a passé ses nerfs sur la pauvre fille pendant plus de trois mois. Ma femme n'est pas comme ça. Reconnaissez quand même qu'elle est un peu à cran en ce moment, non? Voyons, ses affaires ne sont pas rangées à la bonne place et vous voudriez que la police mobilise ses hommes afin de découvrir pourquoi. Mais et la poupée? La barrière était ouverte et il y a plein d'enfants dans le quartier. Une chance que ce soit pas l'un d'eux qui se soit noyé. Elle est sur un lit d'hôpital, que je sache. Imaginez que ce soit votre femme. D'accord. Écoutez, j'irai voir le directeur du magasin. Mais ça ne sert à rien. Ce genre d'accident arrive sans arrêt. Si quelqu'un téléphone, donne-lui mon numéro à Chicago. Entendu. Tu veux que je t'aide? Non, je te remercie. Au revoir. Fais un bon voyage. Warden, s'il vous plaît. Oh, Gary, c'est vous. Bonjour, c'est Tracy Horton de chez Symington. Je vous confirme le rendez-vous. 15h30, chantier Turner. Bien. Je vous y retrouve. Cette visite? Je voulais être le premier à te montrer ça. Tiens, regarde. Des patients portent plainte contre leur médecin, il y a enquête. Mais qui a été parlé de ça à la presse? Moi, si jamais je le tiens, les coups de fil n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas ton numéro personnel, mais tu connais les journalistes. Enfin, pourquoi on ne leur dit pas d'aller voir le labo? Après tout, c'est le docteur Shaw le responsable. Oui, c'est prévu, mais en attendant, il y a de la publicité. Et quoi? Ils vont tenir un conseil d'administration. Ils veulent à tout prix prendre une décision quant à leur ligne de conduite. Oh, mon Dieu. Et comment nos patients réagissent-ils? On en a perdu 8 jusqu'à ce matin. Au train où ça va, je vais pouvoir enfin jouer au golf. Si j'en ai encore les moyens. Qu'est-ce qui leur donne le droit d'imprimer ça sans même faire une enquête? Est-ce qu'ils ont au moins une idée du temps qu'il faut pour établir une clientèle? Thank you.
copain. Bonjour. C'est un plaisir. Merci. Bon, on y va? Eh oui. Que cet immeuble est dans cet état? L'ancien propriétaire a perdu son financement il n'y a pas loin d'un an. Symington a décidé de s'emporter acquéreur, comme prévu. Attention. Selon toute évidence, la vue est un très bon argument de vente. Mmh. Elle est spectaculaire. Aussi, j'ai esquissé quelques idées qui devraient, j'espère, contribuer à la mettre en valeur. Mmh. Vous savez, je ne sais pas si ce serait une bonne idée de soumettre ceci à M. Symington. Non, ne vous méprenez pas. J'apprécie votre travail. Seulement, vous devriez peut-être vous faire la main sur autre chose. Si vous souhaitez vraiment que nous puissions en juger sur pièce, Symington a un autre chantier à San Francisco. Si vous arrivez à lui donner la force que l'on décèle dans cette esquisse, vous aurez toutes vos chances. Et quand voudriez-vous y aller? Ma femme se remet assez mal d'un accident. Elle a failli perdre notre enfant. Oh, j'en suis navrée. Absent que quelques jours. Voilà quelqu'un, on dirait. Je vais demander à Eva. Sabrina, tu n'es pas partie? Non, mes projets ont changé. Gary, voici Sabrina Crane. L'inauguration, vous vous rappelez? Celle de John et Larry. Oui. On m'a dit grand bien de vous. Gary Warden. Je suis désolée, Monsieur Warden, mais il faut que je m'entretienne avec Tracy. En privé. Pas de problème. Justement, on avait fini. Je vous téléphone, Gary. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais ici avec un architecte? Je t'ai entendu au téléphone. Maintenant, voilà que tu m'espionnes. Attends une minute. Gary Warden. C'est le mari de ce médecin? Il est également un excellent architecte. Sabrina, je peux t'expliquer? Quoi? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Pourquoi es-tu venue me trouver? Qu'est-ce que tu projettes de faire à cet homme? Tracy, de quelle façon veux-tu te servir de lui contre elle? Comment est-ce que tu peux penser ça? Tracy, écoute, tu as besoin d'aide si tu veux t'en sortir. Toi et moi, ça fait très longtemps qu'on est amis. Je suis là et tu peux compter sur moi. D'accord? Tu es bien plus qu'une amie. Tu es un peu ma sœur. Mais il est trop tard. Tu étais là avec Stan ce jour-là à l'hôpital, le jour où elle a détruit ma vie. Tracy, nous l'avons fait pour ton bien. Tu aurais dû l'empêcher de me faire ça. Tu n'aurais pas dû la laisser me priver du droit de pouvoir être mère. Nous lui avons dit de le faire parce que c'était mieux pour toi, Tracy. Tracy, crois-moi, je t'en prie. Allô? Bonjour. Oui, en fait, j'aimerais faire des réservations pour deux chambres. Réflexion faite de suite. Oui.
Et nous arriverons exactement le 18. Oui, c'est au nom de Mademoiselle Tracy Horton et Monsieur Gary Warden. Merci. Si son mari était moins nul que ça, je lui faucherais puis il serait à moi. Mets-toi à la place de ces femmes. Elles sont meurtries, déçues. Je comprends qu'elles m'en veuillent à ce point. Chérie, tu es un bon médecin. Oui, c'est ce que je croyais. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. J'ai fait beaucoup d'erreurs depuis quelque temps. Eva. Je t'en prie, vas-y. Ça va aller, c'est vrai, je t'assure. Je me suis remise de l'accident, je ne suis pas prête à coucher. Et puis si jamais il arrive quoi que ce soit, tu n'es qu'à une heure d'avion. Je n'aime pas te laisser toute seule. Je ne veux pas que tu laisses passer cette opportunité. T'as des nouvelles de Sabrina? Elle devrait être revenue de Chicago maintenant. Non, mais tu la connais. Elle est probablement sur la piste d'une bonne affaire. Tu sais, c'est bien que tu aies décidé de revenir à l'hôpital. Les bébés ont besoin de toi. Non, c'est moi qui ai besoin d'eux. J'ai David Bellet des laboratoires modernes sur la 2. Il a fini d'analyser la progestérone que vous lui avez envoyée. Oui, allô, docteur Warden. Désolé d'avoir mis tant de temps à vous rappeler, docteur, mais vous m'avez donné du fil à retordre. Je ne comprends pas. Mettre de l'huile d'olive dans la progestérone, franchement, ça c'est une première. De l'huile? Vous avez perdu votre pari. On y a mis le temps, mais on a trouvé ce que c'était. Vous voulez dire que la fiole que je vous ai envoyée contenait de l'huile? Comment? Vous l'ignoriez? Dans ma chambre vers 7 heures, nous pourrions dîner et étudier les plans. Entendu. J'ai vu Joe aujourd'hui. Il dit que tout va très bien. Après l'accident, il dit que c'est un miracle. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Mais toi, comment ça va? Eh bien, en ce moment, je te téléphone de la suite Windsor. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout va très bien. Ah, on dirait qu'il te soigne, dis-moi. C'est vrai. J'aimerais que tu sois là. Moi aussi. Et quand visiterez-vous le chantier? Demain matin. Et quand est-ce que tu rentres? Dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Gary, on m'a trafiqué ma progestérone. Quoi? On y a substitué de l'huile d'olive. Ce qui veut dire que quelqu'un a pénétré ici quand on était absent. Je prends le premier avion. Non. Ça ira pour ce soir, je t'assure. Ne rentre pas trop tard demain, c'est tout. Non, je prends l'avion ce soir. Gary, non. Je ne veux pas qu'à cause de tout ça, tu perdes cette opportunité. Tout ira bien. Je te le promets. Je fermerai toutes les portes, je fermerai toutes les fenêtres, et puis je resterai cloîtrée jusqu'à demain, je te le jure. Eva, ça ne me plaît pas de te savoir seule. Écoute, promets-moi d'appeler l'inspecteur Kramer. D'accord. Promets-le-moi. Je te le promets. Bon. Je t'aime. Moi aussi. Bonsoir.
Margarie. Entrez. Bonsoir. Donnez, je vous débarrasse. Ah, merci. Oh, c'est vraiment très... Enlevez votre veste. Impressionnant. Merci. Champagne? Oui, merci. Bien. Buvons à votre projet. Ah, oh, c'était vraiment délicieux. Autant que les petits plats que peut faire votre femme? Ma femme est médecin. Vous connaissez les médecins, c'est moi qui fais la cuisine. Et je parie que vous vous y entendez. Ma foi, j'adore cuisiner, vous savez... Et vous? Dans le temps, je cuisinais un peu, mais... Depuis que je suis seule, j'ai perdu mon mari assez récemment. Je suis désolée. C'est gentil. Mais comme on dit, il faut bien continuer. Ah, j'ai mon travail. En parlant de ça, justement, vous disiez avoir une idée à me soumettre au sujet de l'entrée. Vous la voyez plutôt au nord-est. Je vais vous montrer. Ici, c'est le nord-est. Et là, la limite du terrain. Où ça? Là. Ce serait bien mieux d'avoir la façade de l'immeuble de ce côté, à cause du soleil, des collines, de la situation de la propriété. Comme ça, on profite mieux de la vue. Il faut que chaque pièce puisse capter au moins un de ses avantages. Hmm. Voyons, et si l'entrée était là? La circulation poserait un problème. À cause de toutes ces petits trucs qui sont là tout autour? Oh, mais ce n'est pas très gênant. Eh bien, pour les gens qui l'habiteraient, ce serait gênant. On pourrait peut-être mettre l'entrée ici. Je ne crois pas. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Oh, Gary, s'il vous plaît, non, je suis désolée. Pardonnez-moi, voyez-vous, vous êtes très séduisant et en réalité, je crois que j'ai un peu trop bu. Oh, je n'avais pas l'intention que ça finisse comme ça. En fait, je n'avais pas passé une soirée avec un homme depuis longtemps et je vois que... Pourrait-on oublier ce qui vient d'arriver, s'il vous plaît? Vous oublierez? Mais oui. Et vous en ferez autant. Vous savez, j'ai vraiment envie que ce soit vous qui ayez ce projet. Vous avez raison. On a beaucoup trop bu ce soir. On devrait en rester là. J'aimerais assez aller voir le chantier tôt demain matin. On pourrait se voir à 8h30 devant l'hôtel. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Quels sont les futurs locataires de cet immeuble? Il existe déjà plusieurs grosses sociétés d'informatique à environ 2 km. D'ici 5 ans, ce sera un nouveau Silicon Valley. Eh bien... On ne devrait pas avoir trop de problèmes pour s'intégrer au sein de l'environnement. Il faut que je téléphone, vous m'excuserez? Bien sûr. C'est curieux, je ne vois pas trace de relevé topographique. Thank you.
Excusez-moi, bonjour. L'inspecteur Kramer est-il là, s'il vous plaît? Et quand doit-il rentrer? Oui, c'est Eva Warden. Il a parlé à mon mari, Gary. Écoutez, il faut que je lui parle, c'est urgent. Oui, je sais qu'il est tard, mais je l'ai appelé ce matin et il ne m'a pas rappelé. Pourriez-vous lui dire, s'il vous plaît, que mon mari a disparu? Voulez-vous lui transmettre le message? Un poumon perforé, hémorragie interne et fracture multiple. On a bien cru le perdre en chemin. Emmenez-le au bloc d'urgence. Oh. Ça va aller? Oh, à peine jour, il est. Ah. Reviens tout de suite. Oh non. Qui c'est ce petit ange? Melissa Joy Warden, c'est un joli prénom. Bonjour Melissa. Elle est réellement minuscule. Elle est née avec un peu d'avance, mais elle est solide. Oh, tant mieux. Viens, on va te faire un brin de toilette. Ta maman doit être impatiente de te voir. Non, où est-ce que tu vas comme ça? Il faut que j'aille voir Gary. Même si tu arrivais jusque-là, tu ne pourrais pas y emmener le bébé. Je l'emmène. J'ai peur qu'on lui fasse du mal, à elle aussi. Oh, s'il te plaît, assieds-toi. Je comprends ce que tu ressens, mais personne ne pourra faire du mal à Melissa dans cet hôpital. Allez, donne-moi. Doucement, doucement. Mais oui, mais oui. Viens, ma bonté. Gary n'a rien à craindre. La police est là. Un agent surveille sa porte. Si tu vas là-bas, tu risques surtout de les gêner. Allez, maintenant, tu vas t'allonger et te reposer. Tu veux que je me repose? Quelqu'un a essayé de tuer mon mari. Ce quelqu'un court toujours et toi, tu veux que je me repose? Joe, j'ai peur pour lui. Eva, calme-toi, ça ne sert à rien de pleurer. Viens. Je sais. Tu vas t'allonger et dormir un petit peu. Non, je ne veux pas. Il faut que tu te reprennes pour Melissa, d'accord? Je vais te donner un léger sédatif pour que tu puisses te détendre. Non, je ne veux pas. Non, tu seras bien mieux après. Fais-moi confiance. Maintenant, écoute. J'emmène Melissa Joy à la nurserie. Je veille sur elle, ne te fais pas de soucis. Je veux que tu t'étendes. Et voilà. Allez. Tout ira bien. Merci, Joy. Seules les mères sont autorisées à pénétrer ici. On est bien d'accord. Il y a combien de temps que vous êtes obstétricien dans cet hôpital, docteur? Veillez bien sur cet enfant, voulez-vous? Ah, te voilà. Peux-tu t'occuper des admissions? Je dois me rendre à un briefing. Pas de problème. Je t'ai déjà dit que tu avais bien fait de revenir. Non, seulement toutes les 5 minutes. Va, tu vas être en retard. J'y vais.
Je m'absente une seconde, Tracy. Viens là, mon bébé. Oh oui, t'es un beau bébé. Tu as faim? Allez, bois, Lily. Bois tout ton lait, ma chérie. Maman t'emmènera quand tu auras bu. Il ne faut pas que tu puisses avoir faim plus tard. Elle n'avait pas droit à son biberon avant une demi-heure. Elle avait faim, elle pleurait. Ah oui? Allez, chérie. Tu avais faim. Voilà, chérie, ça y est. Maman revient. On y va. Tu te tais, tu te tais, tu te tais. Lily, tu te tais. Tu te tais, compris? Tu te tais. Maman revient, d'accord? J'aimerais parler au docteur Warden assez rapidement. Elle dort, elle ne se réveillera pas avant une heure. Vous en êtes sûr? Le docteur l'a mise sous sédatif. Il y a une cafétéria ici? Un bon petit hamburger ne serait pas de refus. On descend. Désolé, c'est urgent. Oh, voilà des manières.
Où est-ce que nous allons? Vous êtes toute seule? Il y a beaucoup d'admissions. C'est de la folie aujourd'hui. Je croyais qu'Eva Warden devait dormir. Qui lui a emmené sa petite fille? Tracy? Tracy, tu es là? Chance à tourner. Chacune son tour. Excusez-moi, où est-ce qu'on a emmené le docteur Warden? On ne l'a pas transféré. Elle n'est pas dans sa chambre. C'est impossible. Je ne comprends pas. Et son bébé est censé être avec elle. Regardez son lit. Infirmière en chef Taft, niveau 3. Un bébé a été enlevé. Oui, j'en suis sûre. L'inspecteur Kramer est demandé au niveau 3. L'inspecteur Kramer est demandé au niveau 3. Encore un peu de patience, ma chérie, et on sera débarrassé de cette méchante femme, d'accord? Pas si vite. Nous avons à parler toutes les deux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous demandez ce que je veux? Vous vous en moquiez pourtant quand vous m'avez fait tout ce mal. C'est votre mari qui me l'a demandé. Vous m'avez privé du droit de disposer de mon corps. Vous êtes une femme, vous auriez dû comprendre. Et vous lui aviez signé une décharge. Il pensait que pour vous, c'était la décision à prendre. Nous avons fait ça pour vous sauver la vie. Oh, je vous en prie, il faut me croire. J'aimerais lui poser la question, mais le pauvre Stan nous a quittés. Hé ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Mais c'est quoi ce chantier ? Mais vous savez que vous n'avez pas... Toutes les issues sont gardées. Et personne ne correspondant à la description de la mère et du bébé n'a été vu quittant l'hôpital. Il est très facile de cacher un nouveau-né. Quelqu'un sait qui aurait pu enlever ce bébé? Une bénévole qui travaille sous mes ordres a disparu. Tracy Patterson. C'est mon bébé? Ce n'est plus le vôtre. Que voulez-vous dire? Elle est à moi maintenant. C'est moi qui m'en occuperai. Tracy, je suis vraiment désolée. Désolée? Il est trop tard pour être désolée. Non. Je sais de quoi j'ai pu vous priver. Mais je vous ai donné la chance de vivre. Vous pourrez fonder une famille. Il y a d'autres moyens. Mais vous n'aurez pas ma fille. Oh, je l'aurai. Je connais Lily depuis aussi longtemps que vous. Je l'ai vue grandir en vous. Je l'ai même un peu aidée à venir au monde. Elle est à moi encore plus qu'à vous. Et puis de toute façon, vous ne vivrez pas assez longtemps pour la tenir encore dans vos bras. Oh!
évidemment, on peut toujours suivre ton idée. Mais je trouve ça un peu minable, tu vois. Une entrée, ça doit en jeter suffisamment pour inciter les gens à entrer chez vous. Hein? Dire que je croyais qu'un jour, elle reprendrait mon cabinet. Après ce qui vient de se passer, c'est déjà assez dur pour moi de te voir aller tous les jours à l'hôpital en nous laissant tout seuls. Oui, je sais. Viens là. Oui, je sais. Dire qu'on a failli la perdre. Là, chérie. Tu crois que ça pourrait recommencer un jour? Non. Et puis tu sais, il nous reste encore 20 ans avant qu'elle puisse décider quel métier elle aura envie de faire. On a toute la vie. Dors, mon enfant, mon petit roi. Maman t'achètera un cheval de bois. Si ce cheval de bois est froid, maman t'achètera un joli casse-noix. Si ce casse-noix te déçoit, je volerai un autre bébé et il sera à moi.